Team, c'est Chase Jones pour une vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, on va pas être sur une map, mais on va être sur ce que vous voyez. On va essayer de faire. Aujourd'hui, j'ai prévu qu'on fasse le mini game prison. N'hésitez pas à proposer en commentaire des mini games à faire. Pour ça, je vous laisse rejoindre le serveur Discord, même si vous voulez jouer avec moi, par exemple. Vous n'avez qu'à rejoindre le Discord. Appuyez sur le bouton rouge là, situé en bas de l'écran. Comme ça, t'appuies une fois, c'est fait, abonné. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si la vidéo t'a plu, donc passons aux choses sérieuses. Du coup, alors là je suis dans le hub de la prison. Donc moi je vais à ma mine. Parce que là on a les mines classiques. Allez, prison navigateur. Tout. Wesh. Ah ouais, mais je monte comment moi? Attends, donc on va miner ça, je sais que ça rapporte pas mal. Voilà, mais le truc c'est que plus vous montez dans les niveaux, plus ce que vous avez là va vous rapporter du fric, et c'est ça qui est intéressant. Attends, peux-tu me laisser monter s'il te plaît? Donc l'émeraude, tac, donc vous pouvez voir mon argent actuel, je suis à 7,66k. Et next level, c'est l'argent qu'il faut pour passer le niveau. En fait c'est un peu comme faut un peu acheter le niveau. C'est un peu ça en fait le truc. Donc voilà quoi. Alors lui, il vend des outils, donc des pioches. Vous pouvez acheter ça aussi. Mais voilà quoi. Donc si vous n'êtes pas un VIP, vous pouvez jouer 20 minutes par jour gratuitement. Donc pour pouvoir jouer en illimité, faut payer. Mais 20 minutes, je trouve ça déjà pas mal. Après, comme c'est des trucs là qui se vendent au prix que vous avez vu en haut, genre en quelques secondes, vous faites déjà. En minant quelques blocs, vous faites déjà un max de fric. Et on monte un peu assez vite dans les niveaux. La pioche que j'ai encore depuis le premier niveau. Parce qu'en fait, j'ai repris il y a quelques jours le jeu. Et je savais pas que j'étais déjà loin dans les niveaux. Du coup, j'avais eu de l'argent pour rien dans le premier niveau. Wesh, y a les mecs qui disent c'est des hackers. Genre toi, t'es là, t'es tranquille, tu dis que t'es un hacker, ok. T'es fort quand même. Hein. Hop là. Alors, est-ce que... Tac. Mais regardez à combien on les revend les trucs. Vous avez vu combien j'en ai pris. Et regardez combien je les vends.
Regardez, d'ici peu, je pourrais passer mon niveau. Tu es dans la mine. Oh. D'ailleurs, est-ce que je peux refill? 80. Ah ouais, faut tout. En gros, faut. Pour pouvoir faire un refill. Donc, en gros, pour tout réinitialiser. Donc, en gros, là, c'est tout ce que les gens ont miné. Donc, on a. Les gens, ils ont déjà tout miné. Enfin, tout ça plutôt. Mais c'est rien en fait. Le jeu, le truc, il considère que ça, c'est rien du tout. Donc, pour pouvoir réinitialiser le truc, faut avoir miné une bonne partie du truc. Ah, je vais même mettre en bas. Vas-y, frère. Tac, tac, tac. D'ailleurs, faites-moi savoir si les vidéos modernes Strike Online, Among Us et compagnie, ça vous manque. Franchement, moi, ça me manque. Hein. Rien que de jouer au jeu, ça me manque. Bon, c'est une petite vidéo détente. Hein. C'est pas le truc de. De fou, mais. Le truc, c'est comme il y a les cours et tout, genre si vous voulez des vidéos Among Us en compagnie par exemple de Max ou Ridman, ça va être la galère. La vie, ça va être la galère parce que du coup, il y a cours et tout, donc on peut pas s'organiser. Genre pendant les vacances, à la limite, ouais, mais les prochaines, ça va être compliqué pour moi. Peut-être la première semaine. Je sais pas. Parce que du coup, la deuxième semaine, je me casse en fait. En vrai, je sais même pas si c'est première ou deuxième ou si c'est entre les deux. Parce que j'ai pas les dates en fait de quand je me casse. Parce que du coup, cette année, ça va être. Ah ouais, je vais devoir me racheter une pioche. Putain. Il y en a qui sont dans des niveaux assez hauts dans ce truc. Et ils vont quand même à la mine. À la première mine. Regardez, j'ai combien? 30 minerais d'émeraude. Est-ce que je peux le remettre? Non. Tac. Ok. On va aller voir combien ça se revend. 26. Alors, 30 émeraudes. Ça se revend. Wesh. Ok. 26 diamants. Wesh. 48 redstone. Ouais. Pourquoi je dis 48 redstone moi aussi? Déjà, j'ai vu des trucs qui me perturbent. Ça, là. Ça me perturbe. J'avais reçu un message sur Insta d'une personne qui me demandait si mes vidéos je les tournais et sortais le jour même. En gros, si je tourne pas maintenant la vidéo et je la sors après. Alors non. Donc il y a des fois où il se peut que j'en ai des vidéos en réserve que j'ai pas sort, que j'ai pas encore programmé de date. Bon, en fait, ce que je fais, moi, c'est je programme des dates. En gros, quand vous allez pour publier votre vidéo, vous pouvez programmer une date de sortie.
En gros, votre vidéo elle va s'upload sur YouTube et après, à la date et l'heure que vous aurez programmé la vidéo, là les gens pourront la voir. Mais vous pourrez déjà la regarder sur YouTube. Et moi, comme ça, je le fais comme beaucoup, comme ça on se casse pas la tête. Je trouve que c'est un bon système et que c'est pas mal. Alors, je vais juste revendre les bails là et je vais m'acheter une Yosh 21 émeraudes. Ouais. 26 ça là. Ouais. 19 trucs. Ouais. Donc en outil pioche. Regardez le prix de ça, s'il vous plaît. Une pioche en fer, le prix. Eh, j'ai juré, c'est cher. Bon, ça, je la prends même pas. Hein. Pioche diamant, je la prends même pas. Ça me sert à quoi? Franchement, je suis en train de faire une maison. Franchement, je suis en train de faire un truc. En gros, ce truc, ça, c'est juste vous êtes là comme ça dans une mine en train de faire ça. Bon, moi, je suis loin dans le bail, donc, genre, je mine juste encore un peu et après, je vais m'acheter. Et je vais passer à la mine supérieure. Franchement, la première, dès que vous avez les sous pour passer votre niveau. Pour passer à la mine B, passer les gars parce que la A. Tac, tac. Voilà. Comment acheter ça, truc? Vous allez dans le livre, là, Prison Navigator. Grade up to mine P. Bah, il y a juste à faire ça. Maintenant, téléporte. Wesh. On va juste sur les tarifs. Il y a quoi qu'on peut truc là? C'est où? Ah, c'est là-bas. Ah, mais c'est encore les mêmes. Des fois, en fait, c'est vrai que c'est encore les mêmes. Mais ça, on peut rien y faire. Mais normalement, c'est les bails, on est censé les payer. Regardez le fric qu'il me faut pour le prochain niveau. Franchement, le fric qu'il me faut pour le prochain niveau, c'est dingue. Tac, tac, tac. Voilà. Dans les trucs où vous dépenserez un peu d'argent, c'est ce qui est pioche et hache. Mais... Franchement, quand vous êtes à la mine A et que vous avez le fric nécessaire pour vous barrer au niveau supérieur, passez vos niveaux, hein, parce qu'après... Après, vous tomberez sur les trucs qui commencent à se revendre un peu plus cher, comme moi là. Et c'est là que vous faites du fric. Enfin, c'est là que vous êtes mieux en fait. Plus vous augmentez dans les niveaux, plus vous êtes bien. Et là, je vais monter au 64. À voir comment je les revends. Il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils accumulent, et après ils les revendent.
Vas-y, on fait le stack. Allez, allez. D'ailleurs, c'est prévu que le trajet pour aller au Portugal, soit filmé. Voilà. 64 émeraudes et 64 diamants. Ça. Bien, ça se vend. Oh là là. Ah ouais. Et ça. Ah ouais, ça vaut la peine. La vie, je vous le dis, ça vaut la peine. Franchement, ça vaut vraiment la peine. Punaise. Faire un truc genre là, un truc que je, en fait j'ai un truc que je trouve amusant. Donc prison navigator, voir toutes les mines. Oh, il y a deux mines. Ah, c'est quoi cette mine? Attendez, attendez. Donc là je suis mine A. Il y en a qui sont en train de commencer, d'autres ils sont déjà loin. Regardez ce que vous avez dans la mine A. Et ça se revend un truc. Hein. Regardez, j'ai ma hache. Tac, 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 tac. Ça, c'est la mine A. Ils ont tout vidé. Mais il y en a, je pense, ils doivent avoir de quoi s'acheter des pioches et tout. Regardez. Rien à voir avec avec l'autre. Par contre, je veux voir c'est quoi ça. Après, vous passez hein, pour Kémine B. Là, vous commencez à être mieux. Mais quand vous êtes à la A, commencez aussi à. Mais genre, quand vous êtes à la A, petit conseil, faites-vous de l'argent aussi pour vous acheter une pioche. Parce que là, c'est le niveau B. Donc, je vous le montre. Voilà. Alors, à combien ça se vend les pierres et charbon? Ok. Bon, après, vous aurez. Ah. Ma mine Z, tu ne peux pas accéder à cette mine. Moi, je suis à la mine P. Okay. Ah ouais, je suis loin d'accéder à l'autre mine. Ne vous inquiétez pas, les gars, c'est une mine, c'est des trucs qui sont à l'aise, hein. C'est pas comme si c'était. C'est pas comme si c'était le truc de fou. Ça, wesh. Eh, ça, je sais pas ce que j'avais qu'à péter là. Eh, ça, je suis pas fou. Ça, c'est sûr, c'était ce que j'avais pété. Mais bon. Mais bon, de toute façon, je vais pas tarder aussi à acheter une pioche. Parce qu'il y en a besoin. Donc, les gars, sur ce, c'était Chase et je vais vous laisser là. Donc, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez, si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter la vidéo.
Et n'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord. Après, comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Franchement, ce serait pas mal que vous rejoigniez le Discord. Car ça ferait vraiment plaisir. Donc, si vous voulez parler avec moi ou quoi, n'hésitez pas. C'est l'endroit qu'il faut pour ça. C'était Chase. Ciao, ciao.